Popcorn, 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 pop, pop, oh, c'est dur à dire. Bonsoir, c'est PL Cloutier. Je suis de retour chez moi avec la belle Nado. Oui. Est-ce que tu t'es amusé en France, PL? Mais oui, je me suis amusé en France. Est-ce que vous avez vu ma vidéo avec Olivier Dion? Je viens de la publier aujourd'hui. Il y a déjà genre 25 000 vues là, pour ma chaîne principale. C'est quand même beaucoup. Là. D'habitude, ça prend plus qu'une journée pour avoir ça. Puis là, on est même pas, ça fait même pas 5 heures que je l'ai publié. Puis il y a déjà ça. Fait que j'étais énervé. Puis je vous avais pas dit, mais quand j'ai fait la vidéo chez Olivier Dion à Paris, j'avais vlogué. Puis j'avais pas encore mis ça dans mon vlog. Ça fait que avant de commencer le vlog d'aujourd'hui, on va aller voir ce que j'avais filmé en cachette à Paris. Bienvenue dans le vlog secret. Ouh, les secrets. J'essaie de vous garder une surprise parce que là, je vais filmer une vidéo. Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Il y a Théo qui est là. Allô, Théo. Hey. Hey, mon Dieu, le chat. Hey. Allô, bébé. Oh mon Dieu, oh, ça me fait du bien de voir un chat qui est plus gros que ma grosse chatte. Ça s'appelle bon. Comment déjà? C'est Pascal. Pascal Nado, Pascal. La petite Nadoune. Bon, regardez ça, c'est fait beau. Oh mon Dieu, ça marche pas trop pas. Je... Ok, ça s'en vient, ça s'en vient. Regardez ça, c'est fait beau. Ça paraît que c'est ma dernière journée à Paris. Le soleil sort enfin. Ouais, je m'en vais tourner une vidéo spéciale aujourd'hui. Puis là, je vais essayer de vous garder la surprise. Mais on dirait que... Ah, faut que je réfléchis à voix haute en ce moment. Comme, je vais sortir ce vlog-là le lendemain que vous allez avoir vu la vidéo avec ma surprise. Ça fait que je vais vous le dire. Je m'en vais tourner une vidéo avec Olivier Dion. Avec Olivier Dion. Mon Dieu, je suis tellement énervé. Ça a pris comme... Ça fait des semaines qu'on s'écrit par courriel puis que je vous le dis pas. Je suis tellement cachotier. Puis on s'en va faire une... Oh, merci Théo. On s'en va tourner une vidéo chez lui. Première étape du défi avec Olivier Dion. Ce qu'on va faire, c'est une poutine. J'ai amené de la sauce à poutine de chez nous dans un sachet. Puis là, faut que je trouve comme le fromage en grain, mais il n'y a rien qui a l'air de du fromage en grain. La seule affaire que je peux penser, c'est genre les Babybel, mettons que j'ai coupé genre en petits morceaux. Ah, mon Dieu, c'est peut-être que ça va être plus difficile que je pense. Ça va, je vais trouver. Je suis prêt à tout pour Olivier Dion. C'est un classique. Je suis trop d'avance. Je suis encore avec Théo qui est là. Il a pris un petit café. Moi, j'ai pris un latte. Et là, on est juste en train de passer le temps pour pas arriver super tôt chez Olivier Dion. Puis ça a pas super bien été niveau épicerie. Comme j'ai pris ce qu'il y avait. Il manque cruellement de fromage en grains en France. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé autre chose, je suis de bonne humeur. T'es de bonne humeur. J'ai de bonne humeur. C'est la MF. Oh mon Dieu, Théo, c'est trop drôle quand tu fais le personnage de. Fais-le. Je suis de bonne humeur. Ouais, what a world. Oh mon Dieu, je vais comme me passer ça en boucle quand j'ai une journée où je vais pas bien. En plus, j'avais l'air genre tellement surpris, genre. Je suis de bonne humeur. Ok, je suis arrivé. Ça va vite, hein? C'est ça, oui, le vlog. C'est comme ça, c'est... Ouais, ouais, oh mon Dieu. Bienvenue chez nous, c'est un peu le bordel. Ouais. Ah, mais là, il m'a dit qu'il fallait pas que je filme dans l'autre direction parce qu'il veut pas qu'on montre. J'ai pas envie qu'on dise que c'est chez nous. Ah, ouais. C'est... J'ai vraiment de la misère à savoir dans quel sens faut que je filme. Ouais. Bon, fait que là, il me montrait, mais va chercher ton sac pour pas que je filme dans l'autre sens. Là. Il y a une de ces fans inconditionnelles. En tout cas, pour... c'est sûr qu'elle est inconditionnelle. Ça... Elle a acheté un sac. Avec. Mais. Que des produits bons pour la santé. Ah oui, c'est ça. Et qui viennent, bon, quasiment j'ai entendu dire que ça vient de chez nous, ça. Mais pas ça, c'est... Pas ça. Ouais. Non, pas ça. C'est comme tout des trucs, genre, américains. Ça, ici, ah? Mélange à crêpes. Mélange à crêpes. Ça te rappelle-tu des souvenirs, Théo? Oui, j'en fais plus avec toi, Théo. On avait fait des crêpes. Un crab dinner. Un crab dinner, ça, c'est très important. C'est un vrai crab dinner ou c'est genre Velvita? Non, non, c'est un vrai crab. Un vrai crab dinner. Carine fromage. À thème pour vrai. Sirop d'érable, c'est important. J'ai pas goûté par contre, je vais faire un petit contrôle de qualité. Ah oui, c'est ça. Et attention, attention, les pièces maîtresses de ce sac. La sauce à poutine. Et le pire, c'est que... Saint-Hubert, pas Saint-Hubert, on cache pas, on cache pas. Le pire, c'est que moi, je me pense original d'amener une sauce. Il y en a, quoi, il y en a-tu juste une? Il y en a deux. Bon. Il y en a même trois.
Fait qu'on va pouvoir manger de la poutine en tabarnouche le prochain jour. Shit, bon. Alors, je... si vous trouviez que Olivier Dion avait un beau corps, ben c'est terminé. C'est la faute de moi pis la fille au sac d'épicerie. Ouais. Bon, fait que là, on va s'installer puis on va regarder des choses. Ah, il y a ça aussi. Oh mon dieu. Ça, hein, des demi-lunes, genre. Non, c'est quoi ça? Comment qu'ils appellent ça? Des Twinkies, qu'ils appellent ça? Des trucs vachons, là. Ouais, mais bon. Ouais, voilà. C'est pas mes prêts. En tout cas, c'est juste des affaires pour. Je pense que c'est ça. Elle s'est allée l'avoir torturée. Ouais, c'est ça. Elle s'est dit, bon, il va remettre des chemises, là, on va l'engraisser. C'est ça, on. Voilà. Ah, Hershey. Hershey pour la canacée. Oh mon ouais. Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais personne qui me donne des cadeaux comme ça, moi? Moi, il me donne des. C'est encore mieux. Moi, il me donne du vin. Oui. Tu donnes du vin? Oui. Ah, c'est bon, ça. Non, mais, j'ai les meilleurs, j'ai les meilleurs content, cadeaux. J'ai les meilleurs fans, ils me donnent les cadeaux. Je suis content. Bon, OK. On va s'installer. Hey, j'ai failli filmer dans. On a failli voir en arrière ce que tu veux pas qu'on voit. Alors, on va s'installer puis on va filmer notre vidéo où on fait notre poutine avec ce que j'ai trouvé à l'épicerie. Puis ça, je pense que tu vas être déçu. C'est pour elle? Ouais. C'est quoi? C'est pas. Pour le fromage, en tout cas. Ouais, mais non. Mais c'est ça. C'est ce qui manque. Ouh là là, je voudrais pas partir de rumeurs, mais je pense que Olivier Dion a comme le kick sur moi. Bon, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est comme la. Comment on appelle ça? Wishful thinking. Le pouvoir de la pensée. Là, je suis en train de perdre la voix. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que j'ai comme un grain de popcorn de pris dans gorge. C'est trop bizarre. Je tousse puis il arrive rien. Là, il se passe tout le temps ça avec ma télé. Il y a comme des lignes puis mon antenne. Faut que je trouve comment faire rentrer TVA. Parce que c'est ce soir que l'émission Le Tricheur, la première émission du Tricheur va passer. Puis, oh non, ça écrit signaux faibles. Oh mon Dieu, c'est dans 20 minutes. Fait qu'il me reste 20 minutes pour comme régler mon problème d'antenne. Puis ça va être Le Tricheur. Mon Dieu, je suis comme gêné là. Il y a tellement de monde qui écoute cette émission-là puis qui vont me voir à soir là. Ah, OK, je vais régler mon problème d'antenne puis après ça, je vais partir un périscope. Ah, wow, ça c'est vraiment étrange. Je suis en train de filmer mon périscope pour mon vlog demain. Fait que là, si vous êtes dans le périscope, vous allez vous voir dans le vlog. Faites du bruit! Envoyez des cœurs. Ça va être mauvais! OK, encore une fois, fais-moi là. OK, d'accord. Tricheur, tu es prêt à tricher? Oh boy, OK. Mais là, le dernier cœur, j'ai trouvé ça bizarre, là. Harry Styles? Ouais. Non, t'es pas une Directioners? Non. Oh mon Dieu, j'avais tellement pas deviné que c'était Dominique Arpin, le tricheur! Ah! J'ai ça pas être bon au jeu! Mange des légumes, tu viens de voir ta grosse face à la télé! Mon Dieu, c'est tellement une étape, une épreuve difficile de se voir à la télé, là, comme... On dirait que c'est pas pareil que de me filmer avec ma caméra de vlog, puis à chaque fois, je me vois comme avec des grosses caméras de studio, puis comme avec des gros zooms sur ma face, puis des éclairages, puis... Oh mon Dieu, c'était comme difficile de regarder le tricheur, mais je suis quand même content du... Il y a un petit peu de montage, puis je me demandais s'il allait couper des blagues, comme des moments qui se sont passés, puis il n'y a pas grand-chose que je me souviens qui ont coupé, fait que... Ouais, je suis comme content de mon expérience, mais en tout cas, de la première émission. Puis là, c'est comme ça jusqu'à vendredi. Là, je viens de prendre une Advil. J'avais tellement mal à la tête, là. J'ai comme mal aux oreilles aussi. Je sais pas ce qui se passe, là. Comme, j'espère que j'ai pas le rhume. En plus, comme, avec ma gorge... Peut-être que c'est ça qui se passe, là. Peut-être que je suis en train de tomber malade. Oh, j'espère que non. Vous donnerez un thumbs up pour me guérir. Je sais comme plus quoi dire pour que vous donniez des thumbs up. Donnez des thumbs up! Et puis, vous me direz dans les commentaires si vous avez écouté l'émission du Tricheur, puis comment vous avez trouvé ça, puis si vous avez l'intention de l'écouter pendant les autres émissions. Bon, ça va être la fin du vlog. Ça va avoir été comme une petite journée, mais j'avais comme envie de vivre la première du Tricheur avec vous. OK, salut! Oh mon Dieu, brûle-moi pas, Olivier. Comme ça? Il faudrait que les gens voient comme ça. C'est pas super. Voyons, comment tu veux que je fasse ça? Comme ça. OK. Attention, là on y va, et là on verse la poutine. Oh merde, la sauce elle est dégueulasse. Des moutons. Moi je trouve que ça a l'air délicieux. Oui.